bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis avec Louis John. Ouais, on est là, il fait chaud, il fait beau comme d'habitude et là on va faire des roofs quoi. Let's go, oh oui, mon perso préféré. Oh moi j'ai mal quand je suis mal. Bon, on est toujours au Vietnam, on filme pour Civilisation à Ho Chi Minh. La rue est blindée, il fait beau. Eh mais on ferait pas toutes nos intros au même endroit. Bah si. Olé. Vous avez pas vu son casque sans scooter qu'il avait? Je vous jure, il tombe sur la tête, mais putain, terrible. Aujourd'hui, on a repéré un roof qui a l'air stylé, qui est à moitié abandonné, et il y a plein de gaps, c'est devant la voie express, donc il y aura plein de trafic. Donc on va pas avoir beaucoup de temps. Mais bon, on va y aller au culot comme d'habitude, c'est un peu le style de la maison. Et ça, normalement, ça va le faire. I'm being nice, so be nice, alright? Ça va, comme ça, tout ça. Là? J'ai où de la crème solaire? Est-ce que vous pouvez m'enlever s'il vous plaît, monsieur? Il y a des favoris aussi. À côté du favori. Il y a du favoritisme aussi. Hein. Oh, 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 il est en forme. Ouais, là ça va. C'est rêve day hier. On a juste fait un gap, mais on n'a pas eu à marcher ou quoi. Du coup, ça m'a pas fatigué. Du coup, aujourd'hui, je suis chaud, je suis d'attaque là. Ça fait plaisir. Let's go. A chaque fois, on réserve un grab, genre un taxi, et on est un de trop, et du coup, il bégaye un peu au début et on force. Ça va, c'est pas ses crèmes, il est gentil. Tu réalises un peu où on est ou pas, Jérémy? Bon, on est dans un grab quoi. Bon, ça y est, on vient d'arriver au bâtiment, on disait. C'est bien ghetto, hein. Ça a l'air franchement bien délabré. Ouais, ça a l'air bien délabré, mais justement, ça va être plus simple pour monter à mon avis. On va trouver un accès assez rapidement. Qui dit délabré dit aucune sécurité, donc c'est parfait pour nous. Qui dit délabré dit matériaux qui craignent un peu, donc va falloir se méfier et regarder la solidité de tout pour pas se craquer. Il y a tellement de câbles électriques, un truc de fou. Comment ça? C'est ça. Là-dessus. Ça fait peur un peu. Les gars, faut faire hyper gaffe à où on va mettre les mains, les pieds. Parce qu'il y a des gouttes vertes qui ont été plantées sur les mains. Ah ouais! What the fuck? Ah non! Et là, on regarde mes pieds. On est vraiment dans un ghetto. Oh, c'est crème, le petit record, il fait trop plaisir. Mais celui-là, il se bat. What? Énorme. Ça prend un peu de gaz. Wow. Là, il y a Romain qui veut essayer de faire le 17,5, même hauteur, bien engagé. Il n'y a pas beaucoup d'élan, mais il va essayer de se déterre. Allez, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Oh, il fait du bien celui-là. Pouh, 17 mêmes hauteurs. Oh, ça régale. Oh, yes. Pouh, c'est insane ce qui se passe dans ce voyage. What are they on? Coke? Ah, non. Red Bull? Red Bull? No, just for fun. Just for fun, yeah? Just for fun. Yeah, yeah, just for fun. C'est tellement marrant tous les jours. Ouais, du ouf. Il y en a plein qui me parlent, hein, c'est abusé. Non, 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 non. Non. Hey, yo. Yes. Vas-y, on se casse. Il y a un mec qui était pas content là, qui nous a viré du ghetto et on essayait vraiment de l'emmener à un bout du toit pour faire un autre line ici. Et il était hyper rapide, il marchait sur de la tôle. On temporise et on va essayer de remonter et de le faire vraiment run and gun, genre bam dans la foulée. Je pense qu'il va débarquer, mais il faut qu'on ait le temps de finir avant qu'il soit là. Il faut qu'on essaie d'être méga discret en fait. Genre on arrive et tant qu'il n'y a pas de saut, faudrait qu'il nous repère pas. S'il nous repère au moment du saut, on a le temps de peut-être en enchaîner un autre. S'il nous crame au début quand on est en train de monter, on a aucune chance. C'est toi qui dis. Vous êtes prêts? Ok. 3, 2, 1, go! Yes, on se casse. Yes. Oh putain. Oh. Are you in? Do you like? Okay, no problem. Oh, ça fait kiffer là. Les missions qui sont expédiées comme ça là. Pff, ça fait du bien. Ça y est, on a fini les petites lines au ghetto. On a tous trouvé un saut à faire et une line, ça rend trop bien. Ça fait plaisir de commencer la journée, là ça régale. Bon évidemment, ce projet, on a été influencé par Roof Culture Asia, le film de la Suite Horror qui est sorti en 2017, où ils ont retourné Hong Kong, Tokyo et Séoul. Si vous n'avez pas vu ce banger, faut absolument aller le voir. Attends, t'es tellement dans mes pensées là, en train de regarder les scooters. Ah mais... La 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 la. À vous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Faut aller voir, mais sur Maps on dirait pas du tout. Le projet c'est de monter sur un roof où il y a trois petits roof gaps qui suivent. Mais là on est en bas et en fait ça a l'air d'être complètement sécurisé, il y a des digicodes pour entrer et on est neuf à attendre comme des cons devant. Mais là on est devant des gaps et il est pas très grand. Enfin il y en a aucun qui est vraiment grand mais en vrai il est bien visuel. Franchement on va bien pop dans le ciel, on arrive à monter maintenant. C'est la prochaine mission là, c'est monter en haut. C'est fou ferme. T'es horrible, mais c'est tout petit, il y a moyen de faire une line.
Il y a moyen de tout traverser en fait. Pour l'instant ou quoi? On pose des sacs? Ouais, ouais, des sacs. Tu sais que je commence à m'endormir. Et là, le fait qu'on s'infiltre et tout. Ah, je suis réveillé de ouf. Ça, c'est régal. Ouais. Ah, non, qu'est-ce que... Non. Non, je vais pas assez serré, putain. Il a fait tomber sa casquette tout en bas du bat. Ouais. Essaye d'aller plus proche du sol. Mmh. Ok. Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Go. Oh yes. Nice. Let's go. Là on a terminé la ligne et on se barre. Là, on est mort. On en a fait genre 3-4. Et putain Romain, on a un petit dubshot, ça fait plaisir. Et là on en a une de plus dans la poche. Peut-être un petit peu en drone assez sympa, on va voir. Ça va, ça va rejoindre les gars en bas. Peut-être essayer de récupérer ta casquette aussi. Non. J'avais zappé ma casquette, putain. Tu vois, on va passer devant le mec de tout à l'heure. L'insolence des gars. On va se faire rousser. Tiens, ciao. Tu fais un side et là, elle est partie. Elle a volé, elle est à la poule, tout en bas, mec. Il faut une carte pour aller. Voilà, ouais, elle est à la piscine. Il y a une qui a dû la ramasser. Oh, c'est trop stylé. Hein. Oh, c'est un régal. Une line de plus. Putain, une line de plus, mec, de ouf. Moi je sais pas taper, j'aime pas quand on chauffe comme ça. C'est quoi ce bordel? Oh, c'était magnifique! Thank you so much. Aujourd'hui c'était une journée un peu spéciale parce que on avait tous nos sacs avec nous. Faut qu'on s'habitue parce que la suite du voyage ça va sûrement se reproduire. Mais c'est beaucoup plus galère avec les sacs. Il faut tout le temps qu'il y en ait un qui garde les sacs pendant que les autres ils montent sur des roofs. On va essayer de se trouver un roof. Et avant ça, on va se trouver un petit resto pour manger parce qu'on a toujours pas mangé. Ce soir on va dormir sur un roof parce qu'on s'est fait virer du Airbnb parce qu'on cuvait trop des pieds. Donc là on mange là, on va dormir là. Le seul endroit où on peut se faire voir, c'est dans l'ascenseur. C'est le seul endroit où il y a des câbles. Du coup, avec Romain, pour ne pas ramener la sécu là-haut alors que tout le monde avait réussi à monter, on a fait les 42 étages à pied. Ça y est d'être ici. C'est sûr que putain, on a réussi à tous monter. On est pas mal à avoir monté 40 étages. Mais en vrai, ça va aller plus parce que putain, bref. Bien maintenant, incroyable, demain matin au sunrise, j'imagine. Bah, bienvenue dans ma chambre, petit lit comme ça, au milieu. Ensuite on a une petite vue sur la city, demain matin on va avoir le sunrise, juste ici là, hop. Et puis voilà, que dire de plus, j'ai une terrasse aussi dans ma chambre, cette terrasse privée bien sûr. Voilà, j'ai vu 360 degrés sur la ville. J'ai des armes de guerre. Je suis un nerveux. Mais ça part en clip. C'est trop.
trop pour moi, c'est trop pour moi. Ah, il y a eu un chien qui a débarqué, mais en fait c'est son jardin ici. Il vient faire son petit tour. Sauf qu'on est tellement chez nous que son maître il a cru que on était vraiment chez nous. Mais lui, il fait le solide, là. J'ai pris le mauvais tapis. Il est dégonflé, frérot. Et il y a du vent. Et vas-y, gonfle ta voile de parapente, Mehdi, toute la nuit, vas-y. Ah, le Airbnb à 14h. Mashallah, il va faire plaisir. Le programme, c'est qu'à côté du Airbnb, il y a Romain et Mehdi. À un moment, ils sont allés faire des petites courses et ils ont vu un espèce de gap entre deux battes. Du coup, ils sont allés voir. Et apparemment, ça se fait. Du coup, là, on va aller le regarder. Et avec Romain... On va se chauffer et normalement on va le faire. C'est un gap avec du drop, c'est vraiment contrebas. Donc il va falloir bien viser, il faut arriver sur un petit mur. Let's go. Ouais, et puis hier j'ai fait des petites prep sur un autre, un plus petit, moins contrebas. Et je me dis que ça va passer. Il en a rêvé toute la nuit, il a fait des cauchemars. De base aujourd'hui c'est un rest day, mais comme ça c'est juste à côté du Airbnb, on se dit qu'on allait quand même le faire parce qu'on respecte jamais les rest days. Mais c'est pas grave, il nous reste une semaine là au Chimin, du coup on charbonne à fond. Et on va essayer d'utiliser tout le temps qu'on a pour faire des dingueries. Bon là on n'a pas fait de parcours de toute la journée. Du coup l'idée c'est d'aller se chauffer un petit peu sur un petit spot au sol. Réveiller un petit peu les muscles pour voir la forme dans laquelle on est. Et puis après... On s'est un peu chauffé de toute façon, là il y a déjà des mecs de sécu qui sont là, ils nous disent de s'arrêter. Du coup bah ça sert à rien de continuer, on va aller le faire direct. Là on se sent chaud donc maintenant faut y aller. C'est une ville anti-parcours. Genre clairement dès qu'on te voit sauter ou courir quelque part, il y a la sécu qui pop et qui fait non, non, non. On est bientôt à la fin de notre séjour à Ho Chi Minh et on commence à avoir foutu un sacré bordel dans la ville. On a testé vraiment beaucoup de roofs. Je crois que Vlado il a compté, on est pas loin de la centaine. À chaque fois, quasiment 90% du temps, on a affaire à la sécurité. À chaque fois, bah, ils kiffent pas trop ce qu'on fait, ils nous prennent en vidéo et je pense qu'ils doivent se passer le mot entre mecs de la sécu. Parce que maintenant, quand on arrive, on est un peu reconnu. Ah, sorry. What? Don't. Attendez. Ouais, on se fait comme ça. On fait comment? Attends. Par l'autre cage, c'est limite une diversion pour nous à moitié. On se divise entre deux cages et ceux qui montent par la cage la plus cramée font une diversion pour ceux qui doivent absolument monter. Ouais. En clair, moi, Félix, Mehdi, on fait une div pour Flo, Romain et Louis. Ça commence mal. Ça a déjà fait baiser. Ils savent déjà qu'on est sur le toit. Les gars, ils vont vraiment pas avoir beaucoup de temps pour lancer leur saut. J'espère que je vais réussir à être en haut avec eux pour filmer. Trop tard. Vas-y, venez trop tard. Ouais, pas nous. Oh mais c'est sûr.
Moi c'est là. Ok. Ouais, je pense que je vais l'envoyer. Prêt? Allez, bah, allez, bah, je suis tranquille. 3, 2, 1, let's go. Yes. Super stream. C'est okay. Insane. Ah, il suit comme tout. Yes. Tu vas bien, Romain. Oh, let's go. C'est chill, mec. Laisse-toi tomber dessus, c'est du plaisir. Il est pas loin, Romain, promis. Ouais. T'es capable, Romain, t'es capable. Allez frérot. 3, 2, 1, go. Yes. 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 Oh, oh les gars. Yes. Oh. 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 Ça fait rêver, putain. Yes. C'est pas large. Donc t'en refais en vrai. Vas-y, je suis chaud. Pour monter où? C'est là? Oh ouais, c'est là. Okay. Il est pas si long quoi. En gros, il y a des bars. Plus long. Yes, Mehdi. Yes. Oh yes, putain. Les gars, ils ont réussi. Alors qu'au tout début, on s'est fait niquer par la sécu dans les escaliers. Et moi, quand j'ai commencé à filmer en haut, j'ai commencé à recevoir des gouttes. Je me suis dit, il va pleuvoir, les gars, ils vont pas pouvoir se lancer. Au final, Matt, il a été hyper rapide. Oh putain, il y a la sécu, je viens de voir la sécu. Ouais. Mais sinon, par le mur et après par là. Ouais. Ah oui, mur, il grimpe là. Le drop sur le truc là. Oh la mission. Eh, c'était rapide hein. Les gars ils ont fait leur saut au pas. C'est incroyable. Civilisation ma gueule. Il va peut-être commencer à pleuvoir, mais en tout cas, on l'a fait. Ça régale. Oh la vache! Là, ça régale. C'était censé être rest day aujourd'hui. Bah, y a jamais de rest day pour la Wheezy, les gars. On se donne comme des malades, on est tout transpirant. On évite la sécu. Il y a des nouvelles vidéos toutes les semaines, les gars. Alors abonnez-vous, franchement. Et achetez nos fringues, on a besoin de soutien. Personne nous finance, on n'est pas sponsorisé. Donc, on compte que sur vous et on vous régale tous les dimanches. On est rentré au Airbnb. Là on va se reposer, on se retrouve demain.